Tout va bien, les joueurs m'ont super bien accueilli. Donc franchement, tout se passe bien pour le moment. J'ai vraiment hâte de commencer la compétition avec le club. Donc, ça fait un petit moment que... mon dernier match, je crois que c'était le 23 décembre. Ouais. Et voilà, ça faisait un petit moment que je faisais pas vraiment partie du groupe. Donc là, j'ai vraiment hâte d'y être. Physiquement, ça va, j'ai bien travaillé. Après, un match entier, je pense pas pouvoir, pouvoir assumer, mais voilà, on va voir jusqu'où ça va m'emmener. Sur les deux matchs que j'ai pu voir, j'ai vu qu'on se crée quand même quelques occasions. Donc voilà, après, comme j'ai dit, ça joue sur des détails et je pense que dans pas longtemps, ça va nous sourire. J'ai quitté Niort il y a un an de ça, donc moi j'ai passé un an et demi là-bas, que des bons souvenirs là-bas, donc voilà, j'ai hâte de retrouver tout le monde aussi là-bas et j'espère repartir de René Gaillard avec une victoire pour éviter de se faire chambrer. Ouais, c'est voilà, Niort que je suis allé là-bas parce que c'était un club familial, ici aussi, donc par rapport à ça, je trouve que ça se ressemble énormément. Après, je pense que Niort a un peu plus de jeunes. Je joue avec beaucoup de jeunes cette année. Donc, fais confiance aux jeunes. Donc, c'est assez incroyable parce qu'au final, en Ligue 2, on demande pas mal d'expérience et voir le parcours qu'ils font, c'est juste magnifique. Nous, on a un peu plus d'expérience, donc voilà, demain, c'est à nous de montrer que l'expérience est plus forte. Voilà, on a trois matchs qui arrivent, trois matchs importants. Donc, à nous de faire de bonnes prestations et gagner les matchs pour espérer jouer les premiers rôles. Après, voilà, il y a cinq places pour faire éventuellement... c'est pas les playoffs, c'est les barrages. Les barrages, ouais, donc... Donc voilà, nous de faire ce qu'il faut pour espérer faire ces barrages-là, voilà, on est pas loin, ça serait dommage de lâcher si près du but. Parce que chaque footballeur est un compétiteur, donc voilà, on a combien, 31, 32 points ? 32, ouais. Depuis là, ouais. Donc 32, ça serait dommage de parler de maintien, même si voilà... À la base, je pense que quand Grenoble est revenu en Ligue 2, l'objectif était le maintien. Mais quand à la moitié de saison, on a 32 points, on est, je pense, à 3 points du 3e, un truc comme ça. Donc voilà, faut être compétiteur et faut voir toujours vers le haut. Et voilà, c'est en tout cas, moi, si je suis venu ici, c'est parce que aussi il y avait quelque chose à jouer en haut du classement.